Weissny, le pivot qui donne le coup d'envoi pour les Istréens de cette rencontre. Le voilà, Boyba Sissoko, il va falloir prendre un shoot. Les bras sont levés du côté des arbitres. La balle est perdue à son tour. Toujours pas de réalisation de part et d'autre. Les défenses, pour l'instant, ont pris le meilleur. Relance rapide. Et le premier but de cette partie. Il est violet et Istréen. Un petit peu de rythme en attaque. On a vu ces derniers temps des débuts de match, notamment chez les équipes qui reprenaient comme ça. Alors il sera joué mercredi, hein, mais parfois un peu tranquille, un peu poussif. On cherche, on voit qu'on cherche à toucher le ballon, à se remettre un petit peu dedans. Et la belle réalisation là, bien fait. Allez, Vujasic et les Istréens qui font un petit peu tourner. Ce sont eux qui mènent 3-2. Il y a une petite erreur dans le score, on est en train de vous corriger ça. Ce sont bien les visiteurs qui mènent d'un petit but pour l'instant. Et qui font tourner avec Guillaume Crépin, avec la sortie d'André Guillaume. Crépin à nouveau qui va y aller, la petite feinte de frappe toujours avec Vujasic. On trouve le Monténégrin, la belle solution pour Crépin qui gagne son duel en face, face à Dylan Soyer. Voilà un joli mouvement collectif pour les sudistes. C'est dans ce genre de match, tout de suite un gros écart se faire en tout début de rencontre. Ne pas courir après le score, la nouvelle perte de balle, l'interception, la passe était mal assurée. Et face à Soyer, le duel gagné pour passer à plus 3 déjà. Ouais, ça manque un peu de fluidité dans les passes et puis surtout défense très haute, très agressive, très présente des Istréens pour l'instant. Ça fonctionne bien Molinier, vous voyez, défendu très très haut et à nouveau un ballon gratté par les Istréens qui vont pouvoir envoyer au duel face à Soyer et une nouvelle fois le reste, le geste de dépit, un petit peu le coup de pied dans son poteau, mais oui, parce que décidément tout réussit aux Istréens dans ce début de match. Voilà de la confiance qui s'emmagasine chez les visiteurs. Vujasic qui a failli provoquer l'interception, le ball récupéré, Pintor, la petite passe pour Aman, le jeu rapide c'est plutôt mal fait pour Borges et la nouvelle parade de Tabaran, infranchissable ou presque ce soir, à part sur les deux tirs de Molinier, mais il doit être à 4 arrêts sur les 6 derniers tirs. Et la nouvelle récupération istréenne. Cette équipe d'Istre. Ça fait entier la parade de Clément Godin, la deuxième lame, ah dommage. Une parade mais pas deux. Ferrandier qui prend son propre ballon et sur cette deuxième chance. Allez, Petersen face au mur et face à Soyer. Oh là là, Petersen impressionnant qui traverse le mur, on va le revoir. Ah, il doit pas passer ce ballon, hein. Ouais d'accord, mais il doit pas passer. Ça a traversé les bras cristoliens là et Soyer ouais, fou furieux. Allez, c'est reparti. 30 minutes pour faire la décision. Ferrandier face à Tabaran pour ramener Créteil à moins 7. Et c'est Cristolia qui prend le dessus, qui gagne son duel. Allez, Giblin. Il va falloir prendre ses responsabilités au shoot là, côté Créteil. Même si on cherche des bonnes positions, on finit par perdre ce ballon une fois de plus. Hein. Parisini qui remonte rapidement ce ballon avec Nielsen à l'aile. Et la sanction, comme à chaque fois, sanction immédiate. Balle perdue en attaque par les Cristoliens et réalisation derrière. Allez, Crépin toujours avec Parisini dans le trafic qui parvient à s'arracher l'Italien à l'énergie. Ouais, la réponse tout de suite. Il n'y a pas de temps fort hein, d'un côté ou de l'autre. Hein, personne quasiment n'a réussi à véritablement enchaîner. Allez, Créteil, il faut trouver de la vitesse là un petit peu. Si on veut se donner une chance de déstabiliser cette équipe et d'aller défier Arnaud Tabaran chaud comme la braise dans sa cage. Ferrandier un petit peu arrêté à nouveau. La bonne défense istrienne. Kermanek et la parade une fois de plus. Il va falloir avoir les nerfs solides de part et d'autre. Parce que Istres n'a jamais été autant sous pression que dans ces dernières minutes. La solution peut-être. Savaljevic arrêté. De Monténégrin qui combine. Un tir important qui finit au fond. C'est peut-être décisif. Il a été moins en réussite hein, en deuxième mi-temps. 9 sur 15 maintenant, même si ça reste tout à fait correct. Sissoko. Ferrandier à nouveau pour servir Sissoko, il y a l'espace qui s'est créé pour enfin parvenir à tromper. Tout le travail est fait là hein, pour libérer de l'espace pour le bras droit de Sissoko qui aura performé notamment évidemment avec on est à 72% au tir, hein, 26 sur 36, grosse efficacité en attaque du côté des sudistes, créé par à nouveau bah, décidément et voilà si quasiment au buzzer la rage du demi-centre istréen.
qui marque donc au buzzer et qui scelle le score de cette partie. Istres s'impose 27 à 23. Les Cristoliens auront réussi à refaire la moitié de leur retard, mais en partant de 15-7, de 8 buts de retard à la pause, c'était mission impossible.